Salam alaikum, Azur Filaoun. Bonsoir. Nous avions consacré une émission hier à la fermeture de la chaîne de télé Al-Watan TV. Et nous avions signalé le mouvement de protestation des journalistes de cette chaîne. Un mouvement qui commence, même s'il est encore très timide, à interpeller la corporation. Ce n'est pas pour rien que la réaction du régime a été particulièrement vigoureuse ce matin. Une vingtaine de journalistes et d'activistes venus les soutenir, qui observaient un sit-in face au Parlement, ont été arrêtés et embarqués manu militari vers des lieux de détention. Ils ont été libérés quelques heures plus tard. L'opération, en fait, de cette arrestation, de cette interpellation, a consisté à les intimider, à dissuader leurs collègues et la société civile d'une façon générale de les rejoindre. Jusque-là, le régime, qui évalue à un niveau très élevé la menace potentielle que pourrait représenter pour lui une solidarité des journalistes les uns avec les autres et avec la société civile, a toujours tout fait pour empêcher qu'ils puissent trouver un point de jonction, une aspiration à faire front ensemble dans leurs différences idéologiques et rédactionnelles. Le régime a toujours su les dresser les uns contre les autres. Et il s'est toujours servi de ses agents, parmi les patrons de presse ou les journalistes qui ont un fil à la patte, pour veiller au grain, pour semer la discorde, la désunion. Malheureusement, et nous ne le dirons jamais assez, les baltagias du régime, parmi les journalistes, sont légions. Je n'insulte pas la profession en disant cela, bien au contraire. Ils pullulent même. Ce n'est donc pas pour rien que ce régime réagit très mal à cette résistance des journalistes de l'Watan TV. Il craint que le mouvement ne fasse tache d'huile. Et ce n'est pas pour rien non plus qu'il instrumente tous ses relais et ses baltagias, qu'il déploie toute sa propagande, contre cette chaîne qu'il désigne comme un outil entre les mains du terrorisme islamiste, une voie des projets théocratiques, et j'en passe, et des meilleurs. Pourquoi changer une méthode qui a toujours donné de si bons résultats? Un épouvantail qui sait si bien agiter les peurs, qui réussit si bien à nous monter les uns contre les autres, pendant que les maîtres du jeu, requins et crocodiles, frayent dans le même club des rupins. Pour le moment, malheureusement, c'est le régime qui garde l'initiative. Pour le moment, la solidarité de la corporation n'est toujours pas au rendez-vous. Je suis désolé de devoir le dire. Je présume que si une autre chaîne avait été fermée plutôt que celle d'Al-Watan, les journalistes d'Al-Watan ne se seraient pas mobilisés pour leurs collègues. C'est comme ça que ça se passe. La logique des Horace et des Curias qui se répète à l'infini. Aujourd'hui, je vais paraphraser, en la mettant au goût du jour, la fameuse citation d'un pasteur allemand. J'en ai gardé l'esprit, même si j'en ai changé les termes. Je vous la livre. Quand ils sont venus chercher les anti-boumdienistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas anti-boumdieniste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les berbéristes, je n'ai rien dit.
je n'étais pas berbériste. Quand ils sont venus chercher les islamistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas islamiste. Quand ils sont venus chercher les anti-gaz de schiste, je n'ai rien dit. Je n'étais pas anti-gaz de schiste. Quand ils sont venus chercher les chômeurs, je n'ai rien dit. Je n'étais pas chômeur. Quand ils sont venus chercher les journalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas journaliste. Puis, ils sont venus me chercher. Et il ne restait personne pour dire quoi que ce soit. Aujourd'hui. Algérie Focus. Sit-in devant la PN, les travailleurs d'Alouatan TV violemment réprimés, une vingtaine de personnes interpellées. Par Essaïd Wekli. Alouatan. La police tabasse les journalistes d'Alouatan TV devant le siège du Parlement. Par Farouk Djouedi. TSA. Fermeture d'Alouatan TV. Miloud Chorfi applaudit, menace les autres médias. Par Sonia Lies. Aujourd'hui, avant de recevoir nos invités et au sujet de ces policiers qui tabassent les manifestants, j'aimerais vous montrer une scène édifiante. Cela s'est passé au Liban. Un manifestant, visiblement un progressiste, éprouvé, rompu à la dialectique, interpelle un sous-officier des forces anti-émeutes. Il lui dit que les maîtres l'ont affamé, volé, et que quand il a voulu protester, ils ont envoyé ses propres enfants contre lui pour le frapper, et que ces enfants-là ne savent pas que leur tour viendra aussi, d'être eux aussi affamés, volés. Et là, le sous-officier anti-émeute va avoir une réaction que je vous laisse découvrir. Regardons ensemble. حبيبي انت يا عمي بس هيدا حرامي حرامي عم يسرقك قبل ما يسرق ليلي انا هيدا حرامي عم يسرقك قبل ما يسرق ليلي انا عيب علي عيب علي انا عم بجوعك عم بجوعك مثل ما عم بجوعني Avec nous aujourd'hui pour parler de cette situation, et par ordre alphabétique, Hamza Aghoun, journaliste à Alger, journaliste d'Alouatan TV. Abdel Wakil Blam, journaliste à Alger. Nous ne réussissons toujours pas à les joindre tous les deux. Et en Skype avec nous, Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Focus. Abdou Sammar, merci de nous avoir rejoints, d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamal pour cette tribune très libérale et très ouverte et tolérante qui m'est ouverte grâce à toi sur Al-Maghreb Arabia TV. Merci Abdou. Alors, on apprend donc que les journalistes et les militants qui les ont rejoints pour un sit-in face au Parlement ont été interpellés, conduits dans un lieu de détention avant d'être libérés quelques heures plus tard. Vous confirmez ? Je confirme cela et j'ajoute même que ces interpellations ont été suivies par des actes de violence inacceptables. Un de nos collègues qui s'appelle Rafiq Haddad s'est retrouvé à l'hôpital de Mustapha Bacha parce qu'il a été tabassé violemment par un policier qui a voulu l'empêcher de remettre uniquement une lettre de doléance à un député du Parlement. Donc dans l'esprit de notre régime, s'adresser aux députés qui sont
normalement, logiquement, élus par le peuple, élus par les Algériens, qui sont logiquement et normalement à leur service, se rapprocher de ces députés est devenu un danger public ou une atteinte à l'ordre public. Et donc ce journaliste a été tabassé et a été roué de coups. Il s'est retrouvé transféré à l'hôpital en urgence. Donc ce qui est encore une fois de la violence, encore de la violence, et exercée contre qui? Contre des journalistes désarmés qui n'avaient que leur caméra, leurs appareils photos ou leurs crayons. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'un journaliste en Algérie est un danger public? Est-ce que c'est celui qui menace la stabilité du pays? C'est la question qu'on devrait vraiment se poser, parce que je crois encore une fois que les autorités algériennes se trompent de cible et défoulent leur agressivité sur ceux et celles qui n'y sont absolument pour rien dans les menaces et auxquelles sont exposés les Mais pays. Abdo, peut-être que c'est parce que le régime se sent menacé par une éventuelle solidarité des journalistes qu'il ne veut pas qu'ils se réunissent et qu'ils protestent justement et qu'ils appellent leurs confrères à les rejoindre. Que le régime ait peur de quoi que ce soit, ce n'est pas nouveau, Jamel. Vous savez, tout régime totalitaire, liberticide, c'est un régime qui a peur et qui panique. Le totalitarisme ne se construit pas dans la sérénité, mais se construit dans la peur. Mais là, il y a quand même des incohérences énormes. Or, moi, je suis tout à fait d'accord qu'un État veuille appliquer la loi aux médias et aux télévisions. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique et légitime. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, pourquoi M. Hamid Green a laissé cette chaîne travailler pendant 2 ans sans absolument rien lui signifier? Et tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, il intervient, ils envoient, de quelle manière? Au moment où on nous parle de l'installation, de l'instauration d'un état civil, c'est-à-dire que la fin de la force militaire, de la force musclée, de la force policière et de la primauté de la justice, à ce moment-là où on nous fait ces promesses-là, on envoie un bataillon de la police. Non pas pour débusquer des vendeurs de drogue ou des trafiquants ou des vendeurs d'armes ou des voyous ou des gens qui détournent de l'argent et qui transforment, qui blanchissent de l'argent sale, mais de simples jeunes journalistes. Parce que, il faut rappeler qu'à Watan TV, l'âge de ces 70 personnes, de ces 170 personnes est de 25 ans, 26 ans. On leur envoie un bataillon de police et des forces anti-émeutes. Ce qui est complètement honteux. Donc c'est une incohérence terrible. Que ce cadre de loi soit clair. Nous, on le réclame. Moi, en tant que journaliste, je réclame qu'il y ait des outils de contrôle. Il est clair qu'on ne peut pas permettre à n'importe qui de proférer des propos violents. Il est clair qu'on veut contrôler, qu'il y ait un cadre légal. Mais qui doit le fixer? Maintenant, la question qu'on doit se poser. Pourquoi fermer Watan TV et pas les autres chaînes, qui sont tous ne disposent pas, qui sont tous informels et illégales? Il y en a une quarantaine. Selon les aveux même de M. Green. Pourquoi fermer Al-Watan TV uniquement et pas les autres chaînes? Deux, M. Madani Mezaeg est considéré comme une personnalité nationale. Il a été accueilli à la présidence de la République par M. Ouyahia. Donc, comment quelqu'un qui est considéré comme une personnalité nationale, on envoie un bataillon de police pour fermer une chaîne de télé dans laquelle il a parlé? Alors que lui, il a déjà parlé à la présidence de la République. Ça veut dire quoi? Qu'il fallait envoyer un bataillon de la police à la présidence de la République pour arrêter M. Ouyahia? Oui, Qui a appuyé sur une même Abdou personne? Madani Mzrag, tant qu'il était dans le sens du poil, tant qu'il disait oui, tout va bien, Dola Mléha, ça. Mais à partir du moment où il a menacé de faire des révélations sur le président de la République parce que celui-ci ou ceux qui parlent en son nom lui auraient refusé l'agrément du parti qu'il a demandé, alors là, ils s'en sont pris à cette chaîne. Mais qu'est-ce qu'aurait pu faire cette chaîne? Est-ce qu'elle a le droit, elle, de juger ce qui doit être dit ou de ce qui ne doit pas être dit? Pourquoi ne pas avoir poursuivi cette personne en justice et laisser la justice décider? Et même, de quel droit peut-on alléguer une atteinte à l'ordre public et demander à Wali délégué de fermer cette chaîne, laquelle chaîne fonctionne, comme vous venez de le dire, de façon illégale, avec 40 autres? 40, sur 43 chaînes qui fonctionnent en Algérie, il n'y a que 4 qui ont reçu des agréments et des autorisations d'exercer. Il y a une situation de non-droit, Jamal. Après, il faut aborder les points les uns après les autres.
Aujourd'hui, même si une télévision algérienne ou n'importe quel média électronique ou audiovisuel ne dispose pas encore d'un agrément officiel, ça ne l'autorise pas aussi non plus à diffuser n'importe quoi. Il y a une déontologie, il y a des règles de déontologie que la presse algérienne, en général, qu'elle soit des télévisions ou de la presse, qu'elle doit respecter. Moi, Madame Mazalak, je n'ai rien contre le principe de l'interviewer, mais moi, je déplore son dérapage et sa dérive. Ça, c'est clair, net et précis. On n'a pas, nous, journalistes, à diffuser des propos violents, des appels au meurtre, qu'ils soient proférés par des anciens islamistes, mais ou des anciens laïcs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sont des propos violents et des appels au meurtre? Moi, personnellement, en tant que journaliste, j'aurais censuré le passage de Madani Mazalak, parce que quand quelqu'un qui était au maquis, qui avait pris les armes, et qui dit à la télévision, le président de la République va entendre parler de moi, et ma réaction sera sévère, et voilà comment sera ma réaction, pour moi, c'est de la violence qui est inacceptable. Après, oui. Est-ce que c'est une raison pour fermer une chaîne, donnant une amende, appliquant une amende, faisant un procès de justice, exigeant des explications, des excuses? Mais Abdou, Madani Mazarag, c'est sa responsabilité, moi je ne le défends pas, qu'on s'entende bien. Mais quand il dit « moi je vais faire des révélations », c'est des propos violents ça? Non mais le problème n'est pas dans le passage des révélations, Jamel. Oui. Il s'agit pas de... S'il veut faire des révélations, c'est un passage complètement correct et respectueux de la déontologie journalistique. Mais c'est ça, il n'a pas menacé de violence? Il n'a pas menacé de violence? Non, c'est pas ça le passage. Le passage dont il a été incriminé, c'est le passage où Madani Mazalak a dit ceci. Monsieur le Président de la République, s'il ne me donne pas l'agrément de mon parti, il va avoir de ma part une réaction très dure et très sévère. Il va entendre parler de moi. Oui, ça veut dire que je vais faire des révélations. Ça veut dire que je vais me défendre. Quelqu'un qui a pris les armes dans un maquis, les révélations viennent d'un politique qui a l'habitude de faire le discours. Oui, on est d'accord. Mais Abdou, maintenant, est-ce que moi j'ai le droit, Abdou, maintenant de vous censurer, de vous dire non, vous ne dites pas ça parce que vous n'avez pas le droit de le dire. De quel droit, moi, je me suis... En tant que journaliste, il est de mon devoir de lui dire, monsieur Mazalak, si vous avez des choses à dire en direct au président de la République, vous étiez à Al-Mouradi et vous lui dites direct, vous n'avez pas utilisé ma télévision pour dire, c'est la Jumhuriya, Ismaël Biya, ou Harud Daleh, ou Shahindillo. Le journalisme, c'est pas une bagarre, c'est pas du cash. On n'est pas dans une arène de boxe. Il y a un exemple d'éthique qu'on doit donner à la société. Tout simplement, c'est juste un encadrement qu'il faut encadrer. Après, cette erreur de la chaîne ne doit aucunement, c'est ça le plus important pour moi, ne doit aucunement justifier une fermeture arbitraire exécutée par un bataillon de la police. Restez avec nous, Abdou Sammar. Nous allons demander l'avis de Abdelwakil Blam. Abdelwakil Blam, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, M. Zeman. Merci. Abdelwakil, vous faites partie du nombre de journalistes et de militants qui ont été interpellés, arrêtés ce matin, vous confirmez? Oui, bien sûr, on a été avec certains de mes collègues, certains journalistes à El Watan, d'autres non, certains seulement activistes qui ont été là par esprit de solidarité avec leurs confrères, avec les journalistes et avec... cette chaîne, à mon sens, victime de l'arbitraire, de la perte de la part de ce régime totalitaire. Que pensez-vous de la déclaration d'Abdou Sammar qui dit, tout en soutenant Al-Watan et en dénonçant la fermeture qu'il trouve illégale et abusive, il dit néanmoins que si c'était lui qui était journaliste, il n'aurait pas laissé Madani Mazalak s'exprimer dans ces termes. Vous êtes d'accord avec lui? Je salue notre ami Abdou, que je respecte, mais je ne sais pas s'il a écouté le texte intégralement, c'est-à-dire il a visionné la vidéo de M. Madani Mazalak intégralement. M. Madani Mazalak, dans ce qui a été considéré comme défier le président de la République, ce qui n'est pas d'ailleurs dans les démocraties du monde interdit, on peut défier un président de la République. C'est quoi un président de la République finalement? On peut le défier sur le plan de ses programmes, on peut le défier sur les élections pour le faire tomber, on peut le défier dans des face-à-face sur des plateaux, dans les pays qui se respectent, on peut le défier, mais il n'est pas interdit, c'est pas des menaces. Défier un président de la République et dire que si je n'aurais pas mes droits, ce que Mme Mézère considère comme ses droits les plus absolus,
il va entendre de moi ce qu'il n'a jamais entendu de quelqu'un d'autre, ça, ce n'est pas de la violence verbale. C'est défier quelqu'un. C'est vrai, je rejoins son avis quand il dit que ce n'est pas pour ça, pour autant, qu'on a le droit, qu'on se permet d'arrêter et de sceller une chaîne par un bataillon de la gendarmerie parce que un invité sur un plateau a dépassé ce qui était considéré comme limite à ne pas dépasser. À mon sens, il a le droit de parler. À mon sens, si ce n'est qu'à moi, je l'aurais laissé parler. Il n'a pas insulté, il n'a pas appelé à la violence, il n'a pas appelé à la prise d'armes qu'il a pris auparavant. Mais c'est Madame Mver, aux yeux de la loi algérienne, que nous refusons d'ailleurs moi-même, il a été réhabilité. Il ne faut pas oublier, je ne fais pas de comparaison entre deux personnes, mais entre les deux cas. Il a pris les armes à un moment donné. Le FFS a pris les armes à un moment donné. Les gens du FFS étaient armés et considérés par le régime algérien comme des terroristes et des hors-la-loi au maquis. Ils étaient réhabilités, ils exercent leur droit de pratiquer la politique dans un parti politique légal, c'est leur droit. Maintenant, si à chaque fois on doit rappeler à Ethem Hussein le fait qu'il a tué des Algériens et qu'il a tué des Moujahides dans le maquis, on ne peut pas avancer. Mais on a le droit d'être contre Madeleine Vert, on a le droit d'être contre ses propos, mais ne pas les prendre pour prétexte pour venir à arrêter une chaîne de télévision. Et d'ailleurs, M. Jamel, dans l'arrêté que le Wali délégué de Draria a signé, M. Madeleine Vert n'est pas signalé, il n'est pas cité. Il est cité que c'est de une activité commerciale illégale, la charte qui gérerait le Mouachas. Abdelwakil, essayez de rapprocher le micro de votre bouche, on ne vous entend pas très bien. Je précise que dans l'arrêté que la police a présenté aux responsables de la chaîne, M. Madeleine Zerk n'est pas cité officiellement comme prétexte. Qui est cité est les deux points suivants. Un, que c'est l'activité commerciale illégale, ça veut dire que la chaîne n'est pas détentrice d'agrément légal. Et le deuxième point, c'est véhiculer des propos et des contenus subversifs. De quels propos et quels contenus subversifs véhicule cette chaîne, on ne sait pas. Ce que je sais de cette chaîne, dans laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois en tant que directeur des relations publiques, c'est un contenu sur tous les plans, dans le global, très très modéré. Sur le plan politique, sur le plan de ses émissions religieuses, ses émissions aussi d'animation, c'est une chaîne certes conservatrice, mais en aucun cas on ne peut lui reprocher de tenir et d'avoir un contenu subversif, c'est trop. Mais toujours est-il, M. Madeleine Vert n'est pas cité officiellement dans le prétexte d'arrêt et d'arrestation. Mais Abdelwakil, en plus du fait que Madeleine Zrag a été reçue par Ouyahia, par Sellal, oui, comme étant une personnalité nationale. Mais vous ne craignez pas dans cette comparaison que vous venez de faire avec Aït Ahmed que ça ne suscite de très fortes réactions, que vous comparaissiez... Je ne compare pas les deux personnes, je précise. J'ai dit je prends les deux cas. Beaucoup, mais si on part à l'étranger, on trouvera l'IRA, donc M. Jerry Adams, qui présidait l'association qui était considérée par les Anglais comme terroriste pendant 25 ans. Une fois qu'il a été réhabilité, il exerce son métier de politicien, il fait des déclarations, il est reçu dans les plateaux. Et si M. Madeleine Zer a dépassé ses limites, et si ses propos sont passibles de prison, elle est où cette justice? Il est où le ministère de la Justice? Et le ministre de la Justice? Ils sont où ces juges-là? Qu'on doit qu'on connaisse M. Madeleine Vert en justice, il a dépassé ses limites. S'il est propos tenu par... Je ne sais pas, quelque part, il y a un pouvoir qui a peur de ce mec ou quoi? Abdelwakil Blam. Au sujet de cette absence quasi totale, faut dire comme ça, de la société civile et des journalistes eux-mêmes avec leurs confrères, quelle est votre explication? Comment se fait-il qu'il y ait une absence aussi abyssale, j'allais dire?
c'est jamais c'est de l'inexplicable. Ce matin, ils ont été devant le Parlement, devant un siège qui abrite l'un des trois pouvoirs, au sein duquel siège au moins une trentaine, une quarantaine de députés proches de cette chaîne-là. Aucun, au moins un seul n'est sorti nous accueillir, nous aider, nous défendre, se solidariser avec nous et avec cette chaîne, mais aucun. Au moins les députés qui sont immunisés par la force de la loi et qui ne risquent pas d'être emportés par les policiers, ni même agressés ou tabassés ou insultés comme nous l'avons été, n'étaient pas là. Alors la société civile, elle est moins responsable. C'est vrai qu'elle est responsable. Ils doivent être là, surtout la corporation. C'est vrai qu'il y a, il y a une démission de la part de l'ensemble des militants de tout niveau et de tous bords en Algérie. Mais quand des députés, quand les gens qui ont promis au peuple de défendre ses libertés et qui sont là, qui sont payés à coût de 3 000 ou 4 000 euros, qui ne font rien, et même quand on vient chez eux, ils s'évadent, ils se cachent, ils ferment leur bureau, ils ne sortent même pas, là on est bon, on ne peut pas expliquer cela. Je ne peux pas, c'est vrai qu'on peut dire que c'est de la lâcheté de leur part. C'est de la démission, c'est de l'irresponsabilité, hein, même parlementaire. Ils n'ont même pas posé une question verbale, ils n'ont pas saisi ce ministre par une question verbale. Lui qui se prétend responsable de l'arrêt de cette chaîne, ils n'ont rien fait. Alors même quand on vient chez eux, ils se cachent. Eux qui étaient dans leur possibilité, du bon sens de la loi, de nous faire pénétrer dans l'enceinte du Parlement, ils ne l'ont pas fait, monsieur Damel. Restez avec nous, Abdelwakil Blam. Abdou Sambar, Abdelwakil Blam parlait de cette absence totale des députés chez lesquels, pourtant, les journalistes et les protestataires sont allés manifester. Mais, moi, ce que j'aimerais savoir, et les journalistes, pourquoi sont-ils absents? Les journalistes. Avant de parler des journalistes, je tiens à apporter une information importante qui vient de tomber un instant. Monsieur Madani Mezrag vient de présenter ses excuses au président Bouteflika dans un communiqué rendu public et qui a été adressé à la presse. Et il dit, je vais lui faire part d'une lettre cordiale et amicale. Donc regardez ce monsieur qui menace, la veille, il menaçait le président. Aujourd'hui, il présente ses excuses et se rétracte. On comprend bien, monsieur Jamal, il faut le dire, je profite de votre antenne pour le dire, monsieur Madani Mezrag prouve qu'il est un agent au service d'un régime qui l'utilise pour tendre des pièges à des médias et à des gens intègres. Donc, il faut tirer la sonnette d'alarme et dire faites attention à ce personnage, de un. Ça, pour, je tiens à le dire. Donc, ça tombe à l'instant. Donc, ce monsieur, regardez-là pourquoi moi, journaliste, je me méfie des propos de ce monsieur et je me méfie de ses positions et je refuse vraiment de lui donner la parole parce que comme pirouette qu'il est et le rôle qu'il joue, je pense qu'être journaliste, c'est donner de la parole à tout le monde, mais c'est aussi de ne pas refuser d'être naïf face à des manipulations comme celle-là. Maninesh, sur le rôle des journalistes, si jamais. Nous, à Al-Jazeera, il y a un week-end, on a été censurés. Personne n'a été avec nous pratiquement, mais la presse étrangère a été davantage solidaire avec nous que la presse algérienne, que le contraire algérien. Ne dites pas personne, Abdou. Non. Ne dites pas personne. Mis à part le Maralibi, ouais, des gens ouais. Comme quoi, etc. Jamais, mais je parle des gens qui sont à Alger, qui sont en Algérie. Très peu de personnes ont été solidaires avec nous et très peu de personnes ont été solidaires avec notre ami Abdesami qui était emprisonné pendant 14 mois ou 15 mois, tout ça. Très peu de personnes se souviennent des 150 journalistes qui ont été assassinés. Très peu de personnes se rassemblent, etc. La question de la liberté d'expression et du harcèlement dont sont victimes les journalistes en Algérie est une question banale qui ne mobilise personne. Qui ne mobilise pratiquement personne. Il faut le dire et le déplorer. Et on reçoit davantage de soutien de l'étranger que de la part du pays. Pourquoi? Il faut le dire, si jamais. Il faut oser le dire et le dire dans des termes très clairs. La corporation journalistique en Algérie, elle a été noyautée par un mouvement de mercenaires qui noyautent les rédactions, qui sèment la division et la fitna et qui pactise avec des patrons de presse pour empêcher les journalistes de se structurer, pour empêcher les journalistes d'avoir des voix libres, pour empêcher les journalistes d'avoir des droits sociaux. Aujourd'hui, dès qu'on tente de se rassembler,
Et toujours des gens qui viennent nous dire, on ne peut pas parler avec Abdou parce qu'il est laïque, on ne peut pas parler avec Jamel parce qu'il est pro-islamiste, etc., etc., sans parler des détails personnels et des querelles d'ego, etc. Aujourd'hui, tant que nous n'avons pas un nouveau souffle syndical, une nouvelle génération de journalistes algériens qui échappent à ces considérations idéologiques et qui ne tombent pas dans le piège des divisions, et tant qu'on ne forme pas de nouveaux journalistes qui ne subissent pas les mêmes lavages de cerveau des rédactions actuelles, il n'est pas possible d'avoir un mouvement de mobilisation qui peut mobiliser les citoyens. Aujourd'hui, un citoyen simple qui marche dans la rue, s'il voit un journaliste tailler en pièces son propre confrère, comment voulez-vous qu'il se mobilise pour l'autre? Il va dire, comment voulez-vous qu'un citoyen se mobilise pour une corporation complètement divisée et complètement noyautée? Ah, le véritable problème, et moi je ne cesse pas de lancer un appel à un renouvellement de notre corporation, à une nouvelle vision du journalisme, pour qu'on puisse enfin faire front commun. Restez avec nous, Abdou Soumar. Je précise juste, comme ça, en passant, je suis ni pro-islamiste, ni pro-quoi que ce soit. Moi, je suis pro-algérien, pro-dignité, pro-démocratie. Je suis contre ce régime qui est en train de tuer mon pays. Ça s'arrête là. Mais sinon, Abdelwakil Blam, vous venez d'entendre Abdou Soumar nous déclarer que M. Madani Mzrag vient de se repentir de ce qu'il a dit, il présente ses excuses au président de la République. Non, j'ai pas lu la lettre en question, mais cela ne m'étonne pas de sa part, de la part de Madeleine Mézère, cela ne m'étonne pas. Le mec s'est inscrit dans un nouveau parcours de quoi, de militantisme politique. Il veut être réhabilité d'une manière définitive en tant que militant politique à travers un parti politique. J'avais une information hier comme quoi il a été convié par le ministère de la Défense. Peut-être qu'on lui a tiré un petit peu, on lui a pincé un petit peu les oreilles. Et il a eu peur, c'est du pragmatisme politique, et il a vu qu'on a battu fort, et il est de son intérêt un petit peu de faire un recul. De toutes manières, c'est pas vraiment honnête de sa part de voir qu'une chaîne au sein duquel il a été convié en tant qu'invité est victime de cet arbitraire, de ce régime que lui-même qualifie de beaucoup de choses. Sans citer ses propos à lui, parce que c'est des propos spéciaux à son idéologie à lui, sans qu'il ne bouge le doigt, sans qu'il n'est solidaire, sans qu'il ne dit rien du tout. Il voit que des chaînes qui lui ont accordé la parole, et c'est pas facile, et c'est pas simple. Quand on dit une chaîne, il ne faut pas passer parfois devant les mots sans vraiment s'arrêter et peser ces mots-là. Quand une chaîne fonctionne durant 2 ans, sans aucune rente publicitaire, c'est des milliards dépensés, M. Jamel. Je ne sais pas si M. Madeleine Mzer est conscient de son action et de ce qu'a payé cette chaîne. Mais Abdelwakil Blam, moi j'aimerais comprendre. Oui. Moi je débarque de Mars, je ne connais rien à l'Algérie. On me dit qu'une personne s'est exprimée sur une chaîne de télévision et qu'elle a gravement offensé le président de la République, tenu des propos violents, mis en danger l'ordre public, etc. Dans cette chaîne. À la limite, j'attendrai, de façon logique, c'est que la personne soit poursuivie d'abord, et qu'ensuite on engage une action contre la chaîne qu'il aurait peut-être fait passer, même si ce n'était pas un programme en direct, supposons que c'était enregistré. Mais en l'occurrence, la personne n'a pas été inquiétée du tout, alors que la chaîne n'a pas seulement subi les foudres du régime, mais elle a été fermée. Comment expliquez-vous cette curieuse attitude? Moi, les informations que j'ai, M. Jamel, sont les suivantes et je vais pas aller par le dos de la cuillère. Oui. Les informations que j'ai, et que cette même personne a commis de plus grave, a tenu plus grave que ses propos dans une autre chaîne qui est chaude. Il a parlé de génocide. Il a parlé que c'était l'armée qui tuait et que c'était l'armée qui égorgeait. Il a dit que j'ai tué. Il a dit que si c'était à refaire, je le referais. Je n'ai aucun regret et je n'ai aucun remords. Il a parlé de tout ça, mais on ne l'a pas touché. À ce moment-là, on dit que l'état-major
a tenu verbalement, a touché verbalement les responsables des chaînes, chose que le responsable d'El Watan nie, dit qu'on n'a jamais été mis en garde par rapport à la réception et l'invitation de cette personne. Lui demandant les sommons de ne plus recevoir Madeleine Mzaïar parce qu'ils étaient devant deux choses. Il faut dire les choses d'une manière directe. Ils étaient devant deux choses. Soit empêcher Madeleine Mzaïar de parler, qui était à mon sens, ils sont dans l'incapacité de faire. Ils sont dans l'incapacité de faire taire ce mec. Soit carrément empêcher les chaînes de les recevoir. C'est-à-dire, le laisser parler était pour eux impossible. Le gars, surtout après ce qu'a dit M. Ben Habib, il a apporté un peu d'eau à son moulin, il a parlé, c'était dans le même sens, il parlait de beaucoup de choses qui dérangeaient l'état-major. Le seul moyen était de couper le micro à ce mec en demandant aux chaînes de ne plus le recevoir. Mais j'imagine que c'est ce qui va se passer maintenant. Le message doit être passé. Mais sinon, Abdelwakil Blam, Abdou Soumar a violemment chargé cette corporation, ou du moins pas la corporation, les Baltagia qui l'infestent et qui la dénaturent, qui font qu'il n'y a pas aujourd'hui de solidarité entre les journalistes, qu'ils sont dispersés, qu'on les monte les uns contre les autres. Je vous avais posé la question tout à l'heure, vous m'avez répondu pour ce qui est des députés. Mais pour ce qui est des journalistes, qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai à dire que c'est vrai, je soutiens à 100% ce que mon ami Abdou a tenu à l'égard de cette corporation. C'est vrai qu'elle est déchirée, qu'elle s'est désolidarisée de toutes les actions qui pouvaient la réunir. Il n'y a pas de syndicat. Et pour l'ironie du sort, M. Jamel, vous savez qu'au même moment qu'on scellait El Watan chez El Watan TV, au même moment, à la Maison de la Presse, tenue une assemblée générale pour la création d'un syndicat des journalistes. Au même moment, il y avait un groupe de journalistes qui a fait appel envers la création, maintenant avec cette nouvelle carte de journalistes professionnels, et ils se sont dit pourquoi ne pas essayer de se regrouper et se relancer à nouveau dans une fédération ou dans un syndicat autonome des journalistes. Ça ne pouvait pas se réaliser pour l'une, tout le monde sait qu'ils vont essayer de noyauter tout syndicat qui veut voir le jour par les journalistes des établissements publics. Et toutes les autres chaînes et les autres organes de médias sont aussi achetés. La cause est vendue par ces gens-là qui remplissent les poches chaque matin que Dieu fait par 10 millions de l'année. On n'a pas affaire à des journalistes proprement dits libres et indépendants, M. Jamel. On a affaire à des journalistes, entre guillemets, mangeurs de pain, qui sont là, qui se lèvent le matin, qui travaillent chez des patrons, lesquels patrons touchent 10 millions. De la net, en contrepartie, on doit se taire. On doit toujours caresser au sens du poil et ne rien dire. Est-ce que vous savez que quand la chaîne était encerclée par un bataillon de la gendarmerie et de la police, on a touché certaines chaînes pour la rapporter en express et en urgence qu'il y a une chaîne qui... Il y a un responsable d'une chaîne qui a hésité. Et pourtant, l'info était là. Et c'était El Marabia, la première chaîne à mettre à Adil Watan. Et c'est après ça que d'autres chaînes ont posé, mais ça avait été une heure ou deux heures après, parce qu'il fallait demander à leur monsieur, à leur responsable, à leur patron, à leur chef, à leur maître, est-ce qu'on peut apporter cette info? Et pourtant, ça existait, pourtant, c'était l'info avait lieu au même moment et on les a appelés pour confirmer. Mais écoutez, il y a une chaîne qui est en train d'être encerclée par la police et la gendarmerie. Il faut rapporter l'info. Ils n'ont même pas osé. On n'a pas affaire à une corporation indépendante, ne serait-ce qu'à 50% si on était indépendant. Aujourd'hui, on s'est trouvé avec une vingtaine. Restez avec nous, Abdelwakil Blam. Abdou Soumar, Abdelwakil Blam vient de nous dire qu'en fait, la cause est vendue, que les patrons de presse touchent des sommes faramineuses, la fameuse carotte de la publicité. Ils sont riches, ils sont très, très riches. Moi, un jour, je vais vous raconter, Abdou, un jour, un très, très, très haut responsable, que je ne citerai pas, m'avait confié lui-même. Il m'a dit, j'ai un directeur de journal, que je convoque, je lui téléphone, je lui dis viens prendre un thé
il vient et je lui donne il lui dicte ce qu'il doit écrire et il me dit, je lui dicte pas un article, je lui dicte deux, trois articles. Et le lendemain, ils sortent exactement comme je l'ai dit. Donc, dans un tel climat, comment pensez-vous que des journalistes puissent accepter de travailler ce n'est plus du journalisme. Oui, Jamel, le constat amer, il est là. Après, moi, je ne m'arrête pas au constat amer. Il y a des gens très intéressants aussi dans l'Algérie. Il y a des jeunes journalistes qui se battent, notamment dans les régions. Nous, à Alger, c'est pratiquement le paradis par rapport à être journaliste à Sokhara, à Tbessa, à Marnia, etc. Oui, il y a un constat amer, mais moi, je ne vais pas noircir le tableau. Il est déjà suffisamment noir. Moi, j'ai espoir en cette nouvelle génération qui arrive. J'ai espoir en Internet. Nous, grâce à Internet, on a fait quelques sites que Mawaqi' Ikhbariya, quelques sites d'information qui font bouger les choses, qui font bouger les lignes. Moi, personnellement, il y a quelques années, j'aurais jamais pu écrire un article sur la fortune du patron de Club des Pins. J'ai réussi à écrire, à enquêter sur la fortune du patron de Club des Pins. Donc, on arrive à faire des révélations, on arrive à critiquer, on arrive à demander des comptes, etc. Donc, moi, je préfère me concentrer sur ce mouvement de renouvellement de la journalisme en Algérie qui doit s'accentuer, qui doit se renforcer. À nous maintenant, à nous et la nouvelle génération de se structurer, d'aller vers de l'avant. Et moi aussi, je peux te raconter une anecdote qui illustre parfaitement ce qu'on ne doit pas faire en Algérie. Il y a un patron de presse qui va certainement se reconnaître dans mes propos. Un jour, on lui a dit « Quelle est ta ligne éditoriale ?» Et lui, il a répondu « Moi, j'ai pas de ligne éditoriale, j'ai une ligne téléphonique. » Pour savoir voilà comment il subit les ordres. Voilà, donc nous, il faut exactement… Nous, on a plus de… Nous, les jeunes, en tout cas, moi, j'ose prétendre appartenir à cette génération qui n'a pas besoin de ligne téléphonique. On m'a appelé souvent pour me dicter des ordres, pour me dicter des articles. Je les ai envoyés balader. J'ai refusé. Il y a eu des diktats. On a arrêté des émissions. On touche pas de la pub à cause de ça, etc. Mais on continue à avoir des gens. Il y a beaucoup de personnes qui nous admirent et même des gens enfin au sein de ce régime qui nous respectent au fond, qui savent parce qu'ils savent qu'on est crédible, qu'on roule pas pour des gens, etc. Et voilà. Donc je dirais. Il y a même parmi les anciens. Il faut pas les noircir. Hein. Faut pas diaboliser tout le monde. Il y a parmi les anciens des gens très intègres. Qui n'ont pas parti, par exemple, qui ne se sont pas réfugiés au Maroc pour dire du mal de l'Algérie sous des pseudonymes dans une presse marocaine très fidèle au Marzen, et qui sont restés en Algérie, qui sont battus, qui ont affronté. Pour moi, ce sont ces gens-là qu'il faut soutenir. Et il faut qu'il y ait une jonction. Il faut de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Il faut utiliser les nouvelles technologies, les blogs, les sites pour aller de l'avant. Et ce mouvement va aller de là, il va continuer. Faut qu'on soit inventif, faut qu'on s'inspire des pays comme l'Indonésie, comme la Malaisie, comme le Vietnam, comme l'Amérique latine, où il y avait des régimes très, très militaires, très dictatoriales, mais où la presse et les journalistes ont pu se réinventer. C'est complètement possible. Il suffit de le vouloir. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? En faisant du journalisme, on veut être journaliste pour changer le monde. Et pour croire à la vérité, pour se battre pour la vérité, on veut faire du journalisme pour faire du business et s'enrichir. Une fois qu'on a fait le choix, je pense qu'après, il faut accepter de payer les prix et ça va venir. Abdou Soumaré, il vous reste environ une minute de votre part de temps, parce que nous répartissons le temps depuis que vous nous avez secoué la dernière fois que vous étiez passé, vous nous avez accusé de… Il vous reste à peu près une minute. Si vous avez un appel à lancer à vos collègues, à vos confrères. Moi, je réitère mon soutien à tous mes collègues de l'Ouattan TV. J'appelle les autorités algériennes au bon sens. Parce qu'il n'y a pas d'ailleurs, s'ils accusent cette chaîne de diffuser des contenus subversifs, le meilleur moyen de rendre service à un contenu subversif, c'est de l'interdire et de le censurer et de l'empêcher. Donc finalement, ils se sont offerts une mauvaise publicité, ils se sont vraiment offerts tellement une mauvaise publicité qu'ils se sont ridiculisés. Aujourd'hui, censurer un contenu journalistique en 2015, c'est complètement contre-productif et c'est complètement inutile. La chaîne, la fréquence, elle est toujours là, le web, elle est là, il y a Google, il y a les réseaux sociaux, le ministère de la Communication ne pourra jamais censurer Internet, etc. Soyons mûrs. Moi, j'en appelle à la maturité. Il faut que les gens qui dirigent l'Algérie
comprennent que nous vivons en 2015. Nous ne sommes pas en 1995 ou en 1975. La gestion soviétique de l'information n'a plus aucun sens. Modernisez-vous. Envoyez des policiers face à des jeunes journalistes au moment où des barons de la drogue sont accueillis les bras ouverts dans les banques sans qu'on leur demande des comptes sur leur fortune. Soyez mûrs, élevez le niveau, parce que ce pays, pour sortir de la crise qu'on va affronter dans les jours et dans les années à venir, a besoin surtout de dirigeants de grande qualité et non pas de cadres médiocres qui ne savent pas faire la différence entre les années 90 et les années 2000. Merci Abdel Somar, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Abdel Wakil Balam, il nous reste environ 6 minutes qui vous reviennent. Et vous, que pourriez-vous dire à nos confrères, à la société civile d'une manière générale? Est-ce que nous ne devrions pas saisir cette occasion de fermeture de l'Ouattan pour tous nous mobiliser, pour tous faire comprendre à ce régime qui ne doit pas nous mépriser indéfiniment ad vitam aeterna? C'est vrai, et pour rester, M. Jamel, aussi dans le même sens d'idée de M. Abdou, c'est vrai que le constat est amer et que le diagnostic et tout le tableau est noir, mais pour paraphraser un philosophe dont j'ai oublié le nom, le pessimisme de l'idée et de la pensée ne doit pas empêcher l'optimisme de l'action. Il y a toujours de l'espoir en Algérie, il y a des espoirs en Algérie. Aujourd'hui, quand je vois Madame Amira Bouraoui, que je salue au passage, malgré qu'elle ne partage pas pour autant les idéaux de la ligne éditoriale de cette chaîne, elle était là en solidarité avec cette chaîne, elle est venue au sitting, elle a répondu favorablement. Au même moment que d'autres qui épousaient les mêmes idées de cette chaîne ne sont pas venus, je ne peux qu'être optimiste. Et cela, c'est vrai que quand nous parlons de cette réalité, c'est avec amertume, bien sûr, que nous regrettons, nous voyons qu'il est temps que ça change. Mais ça changera, M. Jamel. Je suis sûr, moi personnellement, je n'ai aucun pessimisme au fond de moi. Et s'il n'y avait pas cet optimisme qui me guide, qui me pousse, qui me booste, je ne serais pas là à me laisser faire emporter par des policiers qui m'insultaient, qui me lançaient des propos que je ne peux pas tenir sur cette respectueuse chaîne. Nous sommes là, nous militons, nous postons, nous nous rassemblons. Cet incident de l'Ouattan n'est pas la seule que nous devons prendre en considération pour peut-être trouver de faire de cette action-là un nouveau départ pour une action citoyenne qui peut réussir, qui peut apporter un petit peu de l'aide et de la solidarité à cette genèse de mouvements, pour ne pas dire révolutionnaires, révoltés au fond d'elles-mêmes, qui cherchent un petit peu un élément déclencheur pour sortir un jour dans la rue. Pour revenir à cette chaîne, j'aimerais bien, si je lance un petit appel aux propriétaires, aux responsables de cette chaîne, si l'arrêt est définitif. Je sais que je pense qu'ils sont partis en justice pour essayer de voir de faire cassation par rapport à ce qu'il a été le sort de cette chaîne. Je pense que si l'arrêt de cette chaîne est définitif, rien ne les empêche d'emmener cette chaîne à l'étranger. Ils nous poussent vers l'étranger. Ça me rappelle, il y a 3 ou 4 jours de ça, un intervenant ou un auditeur vous a interpellé, M. Jamel, pour vous dire pourquoi vous êtes à Londres pour parler. Maintenant, plus personne ne peut reprocher à Almara Ebia pourquoi elle est à Londres. Maintenant, les gens qui étaient ici, qui ont cru naïvement en l'honnêteté de ces gens-là, de ce régime, des hommes de ce régime, ont dépensé des milliards, des millions de dollars et ils se voient en fin du compte non respectés. Ils se voient en fin du compte traités comme des terroristes. Vous êtes là pour vous proférer des propos subversifs. Et là, c'est un prétexte, c'est une excuse. C'est une raison pour partir à l'étranger et pour essayer un petit peu d'ouvrir une nouvelle Maraïbia, que ce soit à Londres ou ailleurs, pour dire et pour convaincre ces gens-là qu'on ne veut pas, de démocrate ni de démocratie en Algérie. Un appel à nos confrères. À nos confrères journalistes? Oui.
à notre confrère journaliste du bien, j'aimerais bien, même s'il est absent, dire un mot, parce que c'était décevant de sa part. Ce matin, l'un des billettistes les plus lus dans les journaux arabophones, M. Saïd Bou Oukba, a déçu ses lecteurs ce matin, en quelque sorte en disant que ce qui est arrivé à El Watan, elle le mérite. Cette chaîne mérite, ses responsables méritent, parce qu'ils ont cru en ce régime illégal et que leur chaîne était légale et que je ne défends pas cette chaîne parce que ces gens-là ne méritent même pas d'être défendus dans ce sens-là, pas texto. Mais dans ce sens-là, ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter avec un journaliste ou avec un organe de médias. Ce n'est pas cette l'irresponsabilité. Entre guillemets, je respecte ce bonhomme, mais je dois le dire, ça c'est de la lâcheté, c'est du recul. On n'a pas à dire ça d'une chaîne, quand il s'agit d'un régime comme le régime algérien, un régime aussi totalitaire, un régime qui fait dans l'arbitraire et dans le non-droit, dans l'opacité la plus totale. Il n'y a ni loi, il n'y a ni autorité de régulation. Il y a un président qui n'a pas de bureau. Qui ne veut pas installer son bureau. Nous jouons, comme disait M. Estefred, nous jouons du foot dans un terrain de hand. Quand vous touchez du pied, on vous dit que c'est du hand. Quand vous la prenez par la main, on vous dit que c'est du foot. Le non-droit et la non-loi dans ce pays arrange ce régime et n'arrange que ce régime. Alors, merci. Il n'est pas défendable. M. Saïd Bou Oukba, cessez de dire ça. Excusez-vous auprès de vos lecteurs. Ce régime n'est pas défendable. Merci Abdelwakil Blam. Je rappelle que ces propos vous engagent, comme ils engagent Abdou Soumar. Maintenant, on va faire attention. On ne sait jamais, peut-être qu'ils vont nous fermer, nous aussi. Qui sait? Peut-être qu'ils ont le bras plus long qu'on ne pense. Déjà, par les temps qui courent, il faut faire attention. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Abdou Soumar. Merci à Abdelwakil Blam. Salam alaikum, qawala khair, salama.